Salut tout le monde, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous super bien. En tout cas, moi je vais super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter un petit glitch sur Call of Duty Black Ops 2 en mode transit. Ce glitch consistera à être invincible grâce au bouclier anti-zombie. Le bouclier anti-zombie servira à construire une barrière anti-zombie. Alors pour commencer, vous devrez aller à la deuxième station, créer un bouclier anti-zombie. Ensuite, une fois que vous aurez votre bouclier anti-zombie, vous devrez aller entre la première et la deuxième station, c'est-à-dire dans le tunnel. Je vais mettre cette séquence en accéléré histoire d'aller un petit peu plus vite. Surtout les gars, faites bien attention aux goulons, enfin aux singes qui essaieront vraiment, enfin, qui vont vraiment vous embêter pendant toute la vie. Une fois que vous aurez terminé cette séquence, vous arriverez ici. J'ai passé quelques manches histoire de vous montrer que c'est réellement une barrière anti-zombie. Vous devrez prendre votre bouclier anti-zombie, le placer entre le mur qui est à gauche et la barrière qui est à droite. Vous devrez bien sûr, quand vous êtes accroupi au fond à droite, avoir l'option prendre le bouclier anti-zombie. Après ça dépend si vous êtes sur PS3 ou Xbox, hein. PS3 vous aurez carré. Là par exemple j'ai raté, je vais tuer ce dernier zombie. Alors, je vais refaire. Vous devrez le placer entre les deux. Et si à copier, là j'ai pas l'option, ça veut dire que j'ai raté. Vous devrez vraiment absolument avoir l'option prendre les boucliers anti-zombies, sinon il sera raté. Normalement, ça doit être bon, toujours pas. Tout recommencer, hein, recommencer jusqu'à ce que vous avez cette option si vous ne l'avez pas encore. Là normalement ça va marcher. Je suis assez prêt. Voilà. Là j'ai l'option. Normalement maintenant tous les ennemis ne viendront, excusez-moi, pas devant moi, mais à ma droite. Vous pouvez voir que tous les zombies, que ce soit à droite ou devant vous, ceux qui étaient devant vous, iront tout de même à droite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser, pourquoi pas, un petit j'aime et un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos. J'enverrai cette vidéo à la chaîne communautaire RichHackFR. J'espère qu'ils l'accepteront et un grand merci à eux s'ils l'upload. Et moi les gars, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.